Voilà. Salut tout le monde. Alors pour ceux qui avaient joué à Half-Life, ça va vous rappeler des souvenirs. Ça va tellement vous rappeler des souvenirs. Et pour ceux qui n'y ont jamais joué, vous ne méritez pas de vivre. Réveillez-vous, monsieur Freeman. Ok. Merveilleux. Allez. Je me suis pas mis debout là. Bienvenue à Cité 17. Vous êtes candidat. J'ai glitché, ça y est. Merveilleux. Je suis au ras du sol. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Par contre, c'est tellement impressionnant. Ouais, non, il considère que je suis un nain. Mais c'est tout ce qui me reste. Est-ce que je peux attraper ça? Attrape ça. Ah, la physique est un peu space quand même. Je pousse ça avec les dents, gros. Ah, ça y est. Je peux mettre une baffe à toi? Non, je peux pas. Ouais, non, c'est pas prévu pour. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Déjà, je suis dedans là. Ils arrivent pas. Salut. Vous êtes candidat à une mutation. D'accord. Ok, j'ai compris. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand je fais le stick arrière, ça me fait m'accroupir. Tout simplement. Et stick avant, ça me fait sauter. Ah, faut que je fasse gaffe à ce truc, hein. Parce que du coup. J'allais rien faire, t'inquiète, j'allais rien faire du tout, tout se passe bien, tout va bien. Emmerdez-moi. C'est moi, Gordon. Parlez de Black Mesa. Je te connais pas. Pardon de vous avoir fait peur. Mon numéro, c'était pour les caméras. Ouais, c'est ça. Je suis un agent infiltré dans la protection civile. Je vais t'exfiltrer, tu vois. Ça va faire louche. Oui, Barney, qu'y a-t-il? Je suis en plein milieu d'un test primordial. Salut, Gordon. Mon dieu, Gordon Freeman. Salut, c'est lui qui m'a regardé. Et vous et moi, Doc. Il allait prendre à l'express pour Nova Prospect. Et si j'appuie ici, ça fait quoi là? Comment le faire venir ici? Bah, rien du tout. Tant qu'il ne sait pas. Écoutez, je dois y aller, Doc. Gordon, débrouillez-vous pour rejoindre le labo du Dr. Kleiner. Bon sang, c'est ce que je craignais. Mais oui, ici, Gordon. Tais-toi. Où je serai à découvert. Eh non, je suis pas là, tant pis. Ah ouais, comme ça. Ok, on se le fait vraiment à l'ancienne. Non! L'ennemi numéro 1, l'échelle. Je suis monté. Ok, ah ouais, faut vraiment aller tout en haut en fait. Ouais, ça marche, ok, super. À l'ancienne. Oh, par contre, la sensation quand on chute, là dans la VR, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. J'ai pas besoin de faire ça, t'es sérieux? Hé, ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi cette porte. Ah oui, d'accord, ok. Putain, j'avais oublié par contre qu'il y avait tant de chargements dans Half-Life. Il y a des temps de fou en fait de chargement. Ok, c'est la gâchette qu'il faut que j'utilise pour. Salut. Vas-y. Eh bien. Je sais que tu veux que je ramasse la canette. C'est celui-là? Tiens, celui-là. Tu m'as dit poubelle, c'est ta bouche? Bon, tant pis, allez, on ouvre la porte. Tais-toi. Non, tais-toi. Welcome to City 17. Le rendu est vraiment, 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 vraiment génial. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a quelques petits glitches. Mais n'oubliez pas, c'est un dev par des fans en fait. Donc là, on est sur des gens qui demandent même pas de thunes. Il y a les marcheurs après là. Voilà. Putain de bordel, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool, ça rend super bien, ça déchire. Et salut toi! Ça pète les yeux. J'avoue là que, espèce de. Enflure là, ça pète vraiment les yeux. Non! Mais je vais mourir en fait, avec des chutes d'échelle. Je vais mourir. Et franchement, je vous dirais, étonnamment, le jeu n'est pas du tout vomitif. Je sais pas si pour vous, mais pour moi, c'est vraiment méga fluide quoi. Alors les commerces. C'est toujours pareil. D'abord l'immeuble et puis tout le quartier. Ok, alors. Ouais, j'ai pas vraiment la maîtrise dessus en fait. Ouais. Maman, à traverser. Salut, tu vas te faire contrôler. Vous aussi, quand vous montez vos escaliers, vous êtes bourré de la même façon. Laisse-moi passer toi. Salut. Bon. C'est maintenant qu'il faut courir. Merci. Pardon. Oui, pardon. Ah, il y a l'autre qui m'entend. Tourne. Entrez là, vite.
Merci. Allez-y, foncez sur le toit. Oui. Alors par contre, les balles qui fusent dans les oreilles, c'est bien, c'est beau. Oh, la sensation, c'est énorme. C'est énorme. Je vais tomber. Ah, et puis, je vous avoue, je suis debout, hein, parce que là, la sensation est très très bizarre. Merci. Salut, motherfucker. Non ! Par ici ! Espèce d'enfant, c'est moi ! Vous êtes trop méchant ! Ok, bon, tout va bien. Par ici, Gordon. Ça. Écoute, Alix, tu te calmes. Elle est devant ? Ok. Bah, je vais la rejoindre. Salut. Je suis Alix Vance. Vous ne vous rappelez sûrement pas de moi, je pense. Mais si, t'inquiète pas. Vous n'êtes pas très causant, hein ? Si, je parle depuis tout à l'heure. C'est toi qui écoutes pas, c'est tout. Et après on dit ah mais t'écoutes pas quand on te parle, gnagnagna. Fais des efforts. Vous vous rappelez de lui à Black Mesa, votre ancien administrateur. Je sais ce que vous regardez. Elle se tourne, j'adore. Du coup. Étrange, vous réapparaissez justement aujourd'hui. Par ici, Gordon. Oui, c'est bon. Eh oh, tu m'as bloqué. Nous avons aidé les habitants à fuir la ville à pied. Allez, je vous offre un verre. Toi, c'est pas drôle ta blague. C'est vraiment pas drôle. T'as pas le droit de faire ça. Oh, et au fait, ravi de vous rencontrer enfin. En plus, j'ai soif, donc t'as pas le droit de faire ça. Ok, bon, let's go. Satané bestiole, où est-il passé ? La mare ! Jolie comme ici. Tout va bien, Dr. Kleiner ? Gordon Freeman, c'est vraiment vous, n'est-ce pas ? Il était en train de traîner dehors. Un fauteur de trouble, non ? Nous devons beaucoup au Dr. Freeman, même si les ennuis le suivent comme son ombre. Il est ici ? Ah, mon copain! Salut, copain! Réveiller la ruche. Il ne peut pas rester ici, Doc. Ah, il est avec moi. Mais c'est qui va pousser en fait ce blaireau? Bon sang, enlevez-moi ce truc! Non, bouffe-le le cerveau! Bouffe-lui le cerveau! Au pire, il risque de s'accoupler à votre tête. En vain, bien sûr. Grimpe! Non, pas là-dessus! Bon, bande de blaireaux, j'ai juste besoin de mon armure, moi, en fait. Hein. Il me faut. Gordon, allez-y, enfilez votre combinaison. Attends. Si le docteur Kleiner vous dit de planter ça, il faut le porter. Bon, j'aimerais bien que ce soit ma main qui parte. Ok. Ah, ça y est. Gordon, votre combinaison CEH vous va encore comme un gant. Au moins pour les gants. J'y ai apporté quelques modifications, mais... Jolie blague, c'est un Mulitzer, ça. Vas-y, hop, on descend par là. Vous imaginez une personne comme ça qui est tellement surexcitée qu'elle passe son temps en fait à se déplacer en sautant. Ouais, je saute tout le temps. Gordon, positionnez-vous près du panneau là-bas et attendez mes consignes. Les conditions ne sauraient être meilleures. Vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ouais, à propos de ce chat. Initialisation dans 3, 2, 1. Docteur, la prise. J'ai compris. Vous avez raison. Et il est même pas capable de brancher correctement. Là, il a fait des études de ouf en physique. Et le gars, on lui demande de brancher un putain de câble. C'est vraiment irrespectueux, quoi. Ok. C'est ça. Ça a marché. Vous voyez par vous-même. Ben oui. Hey Doc. Oh, exactement. Très expressif. Dans quelques instants. Bien joué, Gordon. Déjà enclenché le bouton. Ça sert d'avoir un diplôme d'ingénieur. Espèce de connard. Cool, merci. Gordon, irrespectueux. Ouais, c'est bon, je regarde même pas. Bon, en fait, si, juste pour pouvoir te faire ça. Parce que j'ai pas le droit de faire autre chose. C'est ta faute à toi. Nous sommes prêts à vous propulser, Gordon. Bon voyage et bonne chance pour la suite. La mare, espèce de batteur. Qui y a-t-il ? C'est votre bestiole, monsieur. Qui y a-t-il ? Mon dieu ! La mare ? Eddie, non, non. Qui traverse là-bas? Que se passe-t-il? Coucou. On dirait qu'il y a une interférence. Quoi? Gordon, ne bougez pas, on va vous sortir de là. Quelque chose l'éloigne. Ah mais en fait, je peux faire 12 heures. Je vais le sortir de là. Je peux faire... Vous serviez des autres. Le voilà. Je suis... Presque certain que c'était... Gordon, je vais pas bouffer l'espèce d'enfoiré. Il n'est pas rasé. Mais alors,
dans ton cul. C'était plus drôle ce que je viens de dire. Gordon, vous devez sortir de là. Mon pied de biche, je veux mon arme. Ah, il est là. Gordon. Ouais, je suis là, gros. La citadelle est en alerte. Elle n'a jamais été aussi éclairée. Oui, oui, quittez oui. Cité 17 le plus vite possible. T'as jamais dit une gigante lumière, toi. Prenez les canaux pour arriver au niveau des lits. C'est dangereux, mais il y a un réseau de réfugiés. Et ils pourront peut-être vous aider. Non. Je peux pas venir. Je dois m'occuper du docteur Kleiner. Mais non, pourquoi? Oh, et avant que j'oublie... Vous aviez perdu ça à Black Mesa. Merci, merci. Bonne chance, mon pote. Hop. Il vous en faudra. Go. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je sens une machine à détruire. Des planches. Bim. Merci. C'est un peu chiant. Merci. On dirait du Lady Gaga à la musique là. Merci. Mon ennemi. Saute. Saute. Oui. Ouais. Alors le seul défaut là, en vrai, c'est la sélection des armes et ça court bien. Ça c'est infernal. Je vous dirais là, en termes de retour au jeu, pour l'instant, je dirais que les plus grosses difficultés sont liées purement et simplement aux mécaniques qu'ils ont dû trouver pour solutionner en fait le choix des armes. Quoi. On maintient le bouton enfoncé pour pouvoir sélectionner son arme. C'est pas con, hein. De toute façon on utilise le stick en permanence. Mais par contre, c'est le même stick qui permet également de s'accroupir. Et vous faites le stick vers le haut pour sauter. C'est très perturbant. Je peux utiliser la main gauche, moi. Ok. Bon, j'ai quasiment rien perdu, donc c'est bon. Allez. Arrêtez, on n'a rien fait. Ah, c'est chiant. Ouh. Espèce de lâche. Espèce. Lâche. Ils vont vous chercher maintenant. Sauvez-vous, il n'y a rien d'autre à faire. Ah, vous voyez ce que je voulais dire? Ça, c'est agaçant. Voilà, maintenant je l'ai. 18 balles. En fait, le rendu est ouf, vraiment est ouf. Non, mais là, je vais mourir en fait. Je vais mourir avec les petits bugs de merde. Saute. Ok, ça s'est mieux passé que ce que je croyais. Le stick vers le haut, c'est débile, c'est débile, c'est l'enfer. Ok. Saute. Merci. Tourne-toi. Saute. Merci. Tourne-toi. Saute. Oui. Et... Merci. Ok. Parfait. Ok. Putain, il est où? Hop, on saute. Et on se beurre. Voilà. Oh putain. Oui, il me saoule. Tire dans les notes, c'est efficace. Ok, on les a vus, on les a vus, on les a vus. Merci. Merci. J'aurais dû mourir 150 fois, on est d'accord. En vrai, là, c'est une passoire. Oh, c'est beau. Les reflets sont super chouettes. Bon, si vous n'avez pas encore réussi à vomir jusqu'à présent, je pense que là, vous allez pouvoir envisager de le faire. Ah, mon ennemi juré. Hop. Oui. Oh, Dieu. C'est pour vous, les sirènes, hein? Non. Vous avez de la chance. C'est pas vrai. Vous êtes pas le premier arrivé. Voici le Freeman. L'heure de la vengeance a sonné. C'est des yeux. Ça vient. Tu permets que je touche ton gros neuneuil. La station centrale est juste là. Ils vous aideront. Mon ami Vortigaunt va vous recharger pour la route. Vas-y, balance. L'énergie. Ah ah.
Merci. Allez-y. J'en mets la télé avec moi, ça te dérange pas? Personne suspecte non identifié. Putain, il est fort quand même. Freeman, il tient ça comme ça là, une main. Easy. Ouais, bah bouge-toi ta gueule. Hop. Hey, par ici, à l'aide. Merci. Démonstre. Ah merde, en visée c'est horrible. C'est bon. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Toi, t'es moche. Hop. Oh, j'ai skippé ça. Par ici. Paris Hilton. Non, les nuts. Le gars, il a la haine contre le monde. Au pire, je me noie. C'est pas grave. 2, 3, 4 et 5. Il s'en fout, le gars. What? Ah, ça y est, plus de batterie. Bon, bah, du coup, on va devoir couper sur Half-Life. J'ai rigué dans le champ. C'est le troll du chat, de toute façon, c'est... Oh, il est deux sur... Mais t'as pas... Oh.